Bien le bonjour tout le monde. Eh ben qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Eh ben on va aller sur une petite rando, et une rando au Sri Lanka. Alors c'est parti, on prend son sac à dos, on n'oublie pas de s'abonner, hein, on clique sur le petit bouton rouge, et c'est parti, on part en rando au Sri Lanka. C'est la première fois que je fais une rando et du coup sur Maps.me ou sur Maps, du coup j'arrive pas à trouver de chemin. J'avais regardé quand même sur pas mal de blogs, mais les descriptions qu'on a sur le blog, bah ça fonctionne pas. Donc là on essaie de demander aux locaux, mais on a toujours pas trouvé le début de la rando. Allez, on va continuer, on s'acharne. Bon bah du coup on a pris un chemin, mais on n'est pas sûr du tout. Après avoir recoupé plein d'informations, c'est ça le bordel en fait. Tu demandes à deux personnes différentes, il y en a une qui te dit à gauche, l'autre qui te dit à droite. Du coup c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas de chemin sur les cartes, pas d'indication non plus des panneaux, des choses comme ça. Voilà, mais bon on va prendre le chemin, on verra bien ce que ça donne. C'est peut-être pas la meilleure idée. Bon bah ça n'a pas été facile. Mais normalement, on a trouvé le bon chemin pour partir vers Tangapua en passant par les Knuckles. Donc les Knuckles, c'est la petite chaîne de montagne qu'il y a ici. Bon, définitivement, on est sur le bon chemin, puisque du coup, on s'est fait arrêter par un petit garde du parc, voilà, qui nous a demandé de payer un petit ticket. Donc le temps qu'il aille faire de la monnaie, parce qu'ils n'ont pas de monnaie, qu'ils remplissent le ticket, voilà. Au final, on lui a demandé si on était bien sur le bon chemin. On est parti là pour... il nous reste plus que 11 km pour aller jusqu'à Tangapua. C'est parti! Ouais, une vue comme ça, je vais te dire, ça se mérite. J'en chie grave. Mais franchement, pour ça, ça vaut le coup. Je pense que je vais arriver de là-bas, mais en fait, tout en bas. Je suis pratiquement sûr même. Donc bien grimpé quand même depuis 3 heures. Bon, quand t'arrives au sommet et que c'est nuageux comme ça, eh ben t'es bien dégoûté. Bon, je vais attendre quand même un petit peu histoire de voir si ça se dégage. Pour cette rando du coup dans le massif des Knuckles, petit retour, moi j'en ai quand même bien chié. Ah, c'était quand même un petit peu difficile, j'en ai bien chié, surtout le dénivelé, positif, négatif, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito pour une prochaine vidéo. On s'en va du coup au Rocher du Lion, Sigiriya, voilà un lieu emblématique du coup ici au Sri Lanka. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Allez, ciao ciao.